Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Si, tiens, c'est toi. L'avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant que les alliés pouvoir absolu. On vous appelle, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et partout, ça dépend de laquelle vous êtes en train de suivre, en chaîne, bienvenue dans votre chaîne, Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne est proximité, votre chaîne qui est là pour vous donner toutes les informations, oui, les rapports, précisément, République démocratique. Bienvenue dans cette émission, bienvenue sur votre émission socio-culturelle, où il y a une radio, un artiste en avion. Pour cette émission de jeudi, vous allez voir comment il y a le meilleur artiste en mode de l'Ivoire, il y a un autre homme, Vanana. Ou à son écran parcours pour évoluer un peu partout à l'écran Light Music, bien nous va faire du gaz à l'écran aussi dans le profil central, un artiste un peu grand au profil. Et aujourd'hui, il fait son carrière solo avec le on va essayer de parler avec lui de nombre large par rapport et à parcours. Attends, là je dis merci à notre équipe technique qui travaille au four. Et au volet, là je dis merci à toi, à l'idole lieu, le maître supérieur. Merci beaucoup à toi, elle, ça que je rends mon pantou, à la lieu, elle est suprême. Merci beaucoup pour la confiance aujourd'hui, ça a l'air. On a pas mal de partenaires pour partenaires d'émission, ou à Salah Béfort, ou à Salah du déplacement. Là, je dis merci à toi, je suis Kazaï, le grand général du FACAL. Merci pour l'action tour au Salah, dans l'érection. Je dis encore merci à toi, Eve Leblanc Jackson, nommé aux États-Unis, récemment dans le cadre de la Californie, quoi. On va dire solo aussi, premier qui s'est réalisé. Merci aussi à toi, Caramelisé Chanel, Elenri, à Congo, à Poto, depuis Paris. Merci à l'action pour le soutien de tout ça. Je suis d'été avec toi sans oublier mon ami privé, Enfer et Joël, le magasin depuis Luanda, et sans tout ça, mon droit charge, en vain de l'été, caché en international depuis Paris. Sans oublier Patrice Chouro, l'étoile, le filon, depuis Belgique. On est ensemble, Louison, Ilanga, depuis Bordeaux. Ici là, mon nom est Zalabisha Nanda. Là, je dis bonjour à mon invité spécial. Bonjour Amira Tiamana. Bonne santé. Ouais, très bien, comme tu m'as très fait grâce. Malheureusement, on va bêtise ma gauche côte, mais je te vois en fin d'info. Nous avons réalisé, raconte l'émission, il y en a tellement de choses à faire de parler avec toi dans cette émission. Oui, vraiment, merci. Merci beaucoup de prendre la main. Donc, on va commencer d'abord un moment par comment il y a. Avant tout, comment la étape, il y a la carrière, tout ça. C'était comment d'abord, où c'est toujours le cas. Avec Maestro Fabregas, c'est à qui que je suis allée accompagner mes amis, mes copines, notamment la maman à l'Académie de Beaux-Arts que je me salue. Maza va manéquer un beau tête du jour et après ça, tout ça qui est un peu la cadena, au fait, la grand marché, maintenant ça a quelques achats. On va finir, on va travailler une absorbe, maquette et tout. Par après, Karine Moko nous a dit bien aller parce que l'une de leurs, Azala qui la copine de Karine Moko dit. Par après, Bengi Bango pour leur dire que non, il y a un clip de Fabregas, on n'a que de marque, surtout qui bah, pour qui Koya au fait. Vu que j'étais avec eux, voilà pourquoi je les ai accompagnés et tant au commis n'a lieu avec cette ambiance, avec Kokota la clip. Et ça donnait ce que ça pouvait donner. Donc c'était juste hasard, ça vient par hasard. Ouais, c'était hasard. Il y a qui que. Quand il y a un petit gars, il y a des alakas, staff, donc il y a un staff. Par après, en arrivant là-bas, il y a un peu tapé dans le clip. Bon, si il n'y a pas de quota, je ne savais pas. Parce que il y a un peu le yengue, tu vois, un peu le yengue, dans un mot, avec moi la personne, ça allait au moins, voilà. Il y a un peu de quota. Si on comprend, c'est comme si on a un peu de quota, parce qu'on a un peu de quota. Il y a un peu de quota. Est-ce que tu savais comment donner un peu de caméra et filmer parce que dans sa clé, c'était comme ça que tu avais envoyé un peu de filmer? Non, en fait, quand on a zombie, je savais que je filmais, tu vois, mais je n'avais pas l'idée que ça va faire ce que ça fait, tu vois. Mais après, voilà, tu as envoyé un peu de filmer, c'est sûr que tu as envoyé un peu de filmer parce que voilà, ça allait être cher comme ça. Non, on les a acquis déjà que j'étais dans le groupe parce que après, quand j'ai fait mon clip Yamado, c'était en 2014, je crois, en décembre.
2015. Hein, tu m'as dit 2015. Et déjà, clip Wana, ça qui déjà deux gars, ça qui déjà buzz, n'a rien à casser à un moment. Alors, toute la production qui venait, puis ben, les voyages chez Fabregas, on demande à ce que les ala. Parce que comment je fais le clip, on n'a pas qu'à le voir figurant, tout figurant des alakas. La six clips, n'a rien, je suis partie par après, hors de Kuna déjà, et ça qui déjà waouh, donc les gens. Ma production chez Bando Yara, Bando Senga, tout le club sont fait, on est à Binaki, tout le club sont fait, on est à Binaki. Alors, les salaires que Fabregas a s'intéressé à la recherche, comment est-ce que vous avez par après, quand on est à Binaki, on doit bosser ensemble, voilà. Ma production, on a mis sur Zouya, d'ailleurs, les photos il faut que le Gabon dans deux jours. Tu vois un peu comment le problème des salaires qui. Je lui dis, bon, moi je suis étudiante, je suis étudiante pour la musique, c'est pas mon truc au fait, parce qu'on était déjà dans une famille religieuse, je chantais déjà à l'église, et mon machin, on les a embrouillés, ma master et tout. Donc je ne pouvais pas, tu vois. Donc, la courrière, donc je me disais, non, c'est pas mon truc, mais j'avais déjà l'art en moi, parce que je chantais déjà. Et par après, trop de supplications, bah c'est un passeport vite fait, c'était un passeport express, bah c'est après dans deux jours que j'ai quitté Libreville. Donc quand je suis arrivée à Libreville, je me disais bon, je suis la star quoi, parce que c'est tout le monde qui criait Yamado, en fait c'est tout le monde qui criait, tout le monde qui cherchait à me toucher, et c'est là où mon esprit s'est réveillé. Je me dis bon, entrant dans ces bains là, et puis au gang et bandit, comme aussi, donc j'étais vraiment la star à Libreville. Par après, à partir de Libreville, voilà, de haut, qui est malamant, Côte d'Ivoire, tout est tchad, donc j'ai commencé à faire des voyages comme ça. Et en arrivant dans un lieu et un voyage, on sentait vraiment qu'on avait besoin de Déborah Yamado, voir une fille, une fille forte comme ça, comme moi, Bini, Bomona Clip. Voilà, donc des salaires que j'ai découvert à Nova. C'était encore Net Music à l'époque. Voilà, donc d'ailleurs, quand intégré le groupe Wana, j'ai commencé à bosser avec eux. Et, pour bosser là-bas, comment travailler, on faisait le voyage, voilà. Album Mebini, Nayemba qui paye dans l'album, parce que Fabrice a été découvert le talent, Nana Moussou sont donc une chanteuse aussi, parce que Nayemba qui paye quand je chantais par après, grâce à Ibrator, à Dada et tout, j'ai eu un accident que Nayemba a payé, et il était intéressé par après, vu que Nazaki déjà n'a qu'à faire Banwana, Yamado, il y a danse, donc la musique vraiment, et bien d'être aux places, parce que les gens voulaient me savourer beaucoup plus la danse. Et ça donnait ce que ça donnait. On a commencé à évoluer, on faisait des voyages, carabon. Non, mais là, ça a assez, voilà, aujourd'hui. Merci beaucoup pour la réponse. Tu as eu une nouvelle partout. Pour moi, la réponse, il y a des voix vraiment tellement claires. Mais qu'est-ce qui a fait, surtout, que l'humour a eu la rentabilité? Bon, en fait, tu vois, la musique, c'est un peu compliqué. Tu vois, un peu. Là-bas, je me la paix vraiment, je me dis souvent que je ne me retrouvais plus. Tu vois, il y a ma douleur passée qui déjà. Et je me disais, après Yamado, qu'est-ce que j'allais devenir? C'est quand il n'y a pas un mot, ça va. Non, et puis c'est pas Makambo. Si je suis star aujourd'hui, c'est pour Yamado, tu vois un peu. Donc, et puis c'est pas Makambo. Mais je me disais, après ça, parce que Yamado va passer. Donc, on a qu'à combiner avec ma masse, dans mon live. La danse, vraiment, c'était pas mon truc, parce que je dansais pas avant. Mais je chantais déjà avant, tu vois un peu. Mais je me disais, bien, Bimi, la facette, où est déjà la danseuse. Je me disais, comment faire pour na. Hein, parce que ça pouvait plus aller, tu vois, un peu les études, ça. Hein, Yamado, les études, donc ça donnait pas vraiment. Parce que, non, bah qui, bon, mieux vaut, parce que moi, à l'académie, j'ai fait l'architecture intérieure. Tu vois, un peu, donc, quand on te voit à la télé danser, et bien, les acquis, un truc, et même, ils l'ont jamais été. Tu vois, un peu. Non, je me disais, vu je me suis déjà, la côté déjà, la carte, ça va, on a la musique. Je dois y rester, en fait. Chercher qu'est-ce que je peux faire après Yamado. Et là-bas, là où j'étais avec musique, j'ai eu la chance où on était à Moïma. Tu vois un peu. Mano me sera beaucoup plus la facette. Il y a Déborah, la Yamado, la danseuse, tu vois un peu. Et je me suis dit, bon, rester ici, c'est bien bon. Mais après, tu vois, qu'est-ce que je veux devenir? Parce que j'ai déjà eu le problème de la famille, la bisseau. Mon père déjà m'a dit, bon, fais la musique, si ça tient, c'est bon. Tout le monde dit, bah, papa, les voisins, ça va, maman. Donc, c'était vraiment un truc pas bien. Je me disais, quand je fais ça, il faudra que ça va, c'est mon travail.
partie qui classe, quand je fais simplement l'examen, comment je dois réussir dans ça, pour nous aller un peu considérer dans ma famille, quoi. Et non, pas on va quand même tout le feu au babine à la télé, tu vois un peu. Et puis, ça venait comme ça, et puis non, je dois quitter. Je dois quitter, aller chercher où je peux chanter. Là, il m'a la facette, mon souffle. Par après, les à la fin de l'orchestre, quand tu quittes l'orchestre, tu deviens l'heure et demie, tu vois un peu. Donc, c'est ça. Donc, Nayo Longwa et pas Fabregas. Naluki Balabel, parce que Naluki lancement, il y a Balabel, ou Bandos, on appelle ça Joint Talent. Je vis, il y avait Kofi Central, il y avait F Victime, il y avait beaucoup de labels. J'avais vu que j'ai parlé. Choix à Kofi Central, parce que je connaissais déjà Fab Kofi avant. On parlait déjà. Tu vois un peu. Vu qu'on parlait déjà, donc j'ai une facilité pour intégrer la belle naïe. Pour les alors qu'il faut, tout le monde ne peut pas, mais il n'y a pas Fali, Fali, au monde a Fali. Nous, comme un manager. Voilà, donc mieux vous allez dans mon tour déjà, vous êtes acquis en communication facilement. J'ai dit non, vieux, moi j'ai. Aïeba qui m'aime pas. À l'époque, le vieux savait même pas que c'était moi qui a dansé Yamado. Parce que si tu vois Yamado, tu vois Déborah. À l'époque, là c'était un peu différent, tu vois un peu. Aïeba qui était. Puis la BTL même pas, tu savais que c'était moi qui ai fait Yamado. Tu vois un peu. Donc, Nakiel, c'est que je chante aussi. J'ai dit non, la personne va intégrer la belle, mais tu chantes. Oui, je chante. Voilà, les alarmes. Chante, ben tu aimes. Il n'y a pas de dire que je suis un tel, il sait à comprendre que non, je suis dans la musique. Il faut avoir un peu pour redresser, tu vois, un peu réveiller, hein, pour réveiller l'artiste et là qui quoi. Réveiller un peu cette voix-là, forcer, travailler cette voix et puis elle ira de l'avant. Voilà pourquoi, après c'est une occasion. Hein. Ah oui, ça l'a dit, j'en parle d'abord, parce que tous les artistes, c'est très sensible, tu dois te reproduire. Ouais, là, non, on tombe bien maintenant, ici on travaille, comme Faya fait Godon avec le F-Victime, bien sûr. Ouais, donc tout ça là qui est en haut, parce que Anna qui a lancé la belle. Alors, lancer chaque artiste, c'est un peu difficile, tu vois un peu. Alors, non, on doit faire un son ensemble, on a un son, parce que, après, il y a des gens qui ont fait des salines, voilà pourquoi ils ont fait des salines. Mais on a fait des salines, on a confirmé que l'artiste a la peine. Tout le monde a fait des salines. Par après, on aura maintenant ça dans l'album. Comment. Et moi, j'ai eu à faire un featuring avec Cindy Maker. Titre dans mes enfants, c'est déjà sur YouTube, plus de 100 millions de vues déjà. Mais c'est dans la page Kofi Central. YouTube, donc déjà disponible. On arrive, mais juste c'est la chose vocale au Sanarana. Et là, vous savez, voilà, vous allez accueillir tellement ça. Si vous venez d'être dans la carte à PC, dans sandales, vous gagnez ça, on peut voir vocalement pour ça, laisser faire ça. Marie me pèle, nos différences sont. Gana yebi, avec ma musique, n'a beaucoup maï. Namogongo nangai, nanzoto nangai, nakitoko nangai, lobipena kokoma. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez-y comprendre, t'as des bras, vanana, à la disponible, comme artiste complet, pour le bien qui a soumis, comme un peu de yemba, aujourd'hui, à la carrière, bien sûr. Fermez parenthèse, du coup, de ce qu'on a soumis à des bras. Il y a une décor sur le banc avec vos figurants de Bina. Il y a des pouvoirs et des branches qui changent tout ce travail. C'était comment pour nous, au côté esprit de comment on vit pour l'artiste, parce que c'est une vie dans le monde. Souvent, par le match à la main, il y a des parties, il y a passé de l'année à la main, pas ce qu'on va faire, c'est un orchestre. Tu sais, comment il y a tout fait, c'est pour vendre, c'est pour le monde, pour un jour pour ton analyste. Peut-être, au fait, la musique, c'est un truc qui est où la carte, si tu vois un peu. Ils ont le moment, je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois, un peu d'esprit, c'est quelque chose qui fait ça unique, quoi. Ils ont le moment, il faut forcer un mot, tu vois, un peu. Moi, la musique, c'est quelque chose qui est dans la cantine, là. Tu comprends un peu? Parce que moi, déjà à l'époque, de chez moi à la maison, je chantais déjà. Je te dis, je chantais dans ma mère, là. Quand je me lavais, je chantais. Quand je mangeais, dans ma mère, là, oui, ma. Chez moi déjà, ils savent que je chantais des Borayem Baka. Donc je chantais dans les églises un peu partout. Tu vois un peu. J'étais à la louange, j'étais dans la JPC, gloire à ma gêne, à ma. J'ai étudié à Chaoumba, là où j'étais là-bas, dans le Péra Royemba, dans le Koral. Donc j'étais vraiment dans la musique, tu vois un peu. Sauf que, comme je dis, il n'y a pas d'hasard. Nous avons dit, comment te faire sortir, comment. À l'abîmer, c'est un mot qui est quoi. Parce que moi, je me disais, dans la carte, moi, je dois chanter. Je dois être comme la sœur Abanoling à l'époque. J'aimais beaucoup la sœur Nadej.
la sœur Nadège, parce que j'ai travaillé beaucoup ces chansons. La maman Lydia, tu vois un peu, donc ma zaba idole, là, quoi. Je me disais, je vais être comme, chanter comme elle. Attends, on a rien, mais la nzambe était maintenant, c'est la star, le coup là-bas, quoi. Je me disais déjà ça. Donc voilà. Et puis, quelque chose où ils ont regardé la Katinayo. Et bimi, ça fait sexe, ça fait ses exploits quoi. Voilà, donc musique est l'oisa en Katinanga. Et donc bima, grâce à Fabregas, grâce à Koffi Olomide, au basali qui m'a réveillé en gros quoi. Mais c'est déjà un truc qui est en moi. Merci beaucoup de voir. Mais est-ce que ça coupe d'accompagnement? Tu sais que nous avons fait d'ici dans la structure, tout basali du parquet, tout ça, nous avons fait d'accompagnement sur production, mais je vais garder ce que les gens ont besoin. Ouais, pour le moment, j'ai un groupe d'accompagnement, j'ai pas un orchestre, j'ai un groupe d'accompagnement quand, quand j'ai un événement ou concert, un truc comme ça. La Bengi Bangot, on travaille ensemble, je le paye, Bakieli. Mais en même temps, on se retrouve chaque fois pour nos répétitions. Répétition, c'est payant aussi pour même. Non, on ne paye pas. Moi, je ne fais pas de répétition populaire, je fais des répétitions coulisses. Ben jusque-là, j'ai fait mes répétitions coulisses. Je travaille mon album d'abord, personnellement, parce que j'ai quitté aussi Koffi Central, je ne sais pas sur les pays. Mon contrat, là, moment, je n'ai pas quitté. Contrat, il y en a un Koffi Silaki. On a fait 2 ans, j'ai fait le son ici en travail, j'ai fait mon son, une chanson en vol avec Cindy Lecoeur. Par après, on a fini notre contrat. J'ai signé avec JMC Productions de Jonathan Mutambala. Donc, c'est là où je fais maintenant mon album. J'ai fait, bon, c'est pas un album, c'est un maxi single de 7 titres. Voilà. Le titre de l'album, c'est quoi? Titre album? Non, le titre album, c'est Montant. Montant. Montant, donc, ton quoi? Montant. Montant. Je dis Montant parce que c'est. Je voulais. Il y a un être, il y a un peu ça, un sens. Mais là, on a vraiment, quand tu vois, on l'a prononcé, c'est Montant. Et là, tu as dit, moi, il y a du bosseau. Donc, vise, oui, moi, là, quoi. Tu vises maintenant sur ton enfant, tu vises maintenant sur son éducation, ma femme, vise, quoi. Donc, on va prendre un mon temps parce que moi, là, qui est mon album personnellement, j'ai donné mon travail, j'ai donné mon souffle. Donc, tout de moi, on a Cathy, voilà pourquoi on a un petit cas qui est mon temps. Tu travailles, pourquoi nous battons un morceau pour nous, c'est juste des chansons par rapport à la titre déjà. Ouais, déjà à la télé, j'ai 3 titres en dehors de featuring que je fais. J'ai 3 titres, j'ai le reggae, où j'ai dit merci aux parents, j'ai dit merci à papa, merci à maman, merci à Jonathan Mutambala personnellement qui est mon producteur. Et j'ai, à part ça, j'ai atterrissage, j'ai fait la rumba gospel comme fait Ibrator et Tatiana Cruz, les autres, voilà. C'est un rumba gospel où j'ai dit atterrissage, donc on a les libolingo et kei, bande mata, bande pomba, ezo kitate. Voilà, et puis j'ai encore lancé une chanson. Je crois on vole Loana déjà aussi, c'est sur le marché. Donc voilà. Bon, c'est petit tranquille, bel été. Tu vois, c'est pas ton signe sur la population, on va voir. Tu es aussi tout de suite la première, plus ou moins, c'est pas trop. Non, c'est pas trop, tu vois, les autres font 14, 15, 16, 17, 32. Moi, j'ai enregistré la chanson en montant dans mon emploi. On a effectivement des voix. Aïe, maman, et toi. Et donc, je me suis en exclusivité dans cette émission des voix avant d'en avoir tout. Là, ça, oh, comme on a le titre, c'est Combo et Amontouna, une délire de Mépring à cœur du salut. Esprit supérieur est à Aïe. Il y a Ovan, c'est là, ma solo, elle est à Paris, quoi. Donc. Je lui dis vraiment merci, la confiance, voilà, tu vois cette chanson on l'a repris 3 fois. C'est quelqu'un qui connaît l'art, qui connaît la musique, donc one dimanche, moi ce n'est pas facile, donc tout balé, attends, tout balé dans 3 fois. Donc voilà. N'a go qui côté, me pina yimoyami, le royaume yabamoua, et me pina bolingo na yo sentiment, blague na yo sentiment na mouezala, les passages. Addiction non y'a mon témananga bébé, maman mi sous fait que ma coffre face n'a bolingo y'a le tarot pour à chaque fois tu me donnes l'amour bébé, maman mi sous fait mal l'amour et pour ta me cap le banan y'a le coup la crayon et vano ils ont joué des rôles en même temps à l'effortuna et comme il va plaisir effacer bas stress mon bébé. Merci beaucoup de vous avoir donné une très belle chanson. Merci.
ça fait du tchatcho, musique à rien, so quoi, ma couramba. Merci beaucoup. Mais est-ce que les deux, on est sur la musique, et puis moi, ma fille, merci de nous pour ça, c'est pas facile de vous, les filles, de vivre en épine à la ouais, tu vois, nous, c'est comme ça, quoi. Donc, vie artiste, ça, il faut ça dur, tu vois, un peu. Parce que, on a nos producteurs, on a nos managers, on a nos fans, parce que c'est bien un tu vois, un peu, tu as la télé, tu es exposé, les gens te rêvent, les gens te veulent, tu vois, un peu. Donc, là, ils ont ma vie privée, là, quoi. Donc, c'est moi, c'est à moi de dire oui ou non. Donc, on ne me force pas. Bah, tiens, on a besoin de mon look et de vos autres. Les gars, là, on les gars, là, tu vois, un peu. Bah, tiens, ok. Donc, c'est ma vie. Moi, si moi-même, je sais comment gérer ma vie, comment m'orienter, voilà. Pour cela, ça a vraiment, hein, qu'ambiance, quoi. Que, les balobara, succès latin zoto. Peut-être le lot, toi, on va se rater, peut-être pour finir maladie, parce que moi, on a vu ce bébé dans maladie, quoi. Donc, voilà, alors. Dans la vie, on se maîtrise, le succès, le succès aussi. Parce que le succès, il y a un peu de temps. Donc, les gens te cherchent, quoi. Les gens mettent le paquet en jeu pour t'avoir. Tu vois un peu. Mais on sent qu'on est tout au limite dans de bonnes familles. On a quand même été éduqués aussi. Donc, on sait c'est comporter quoi. C'est pas l'argent. Ça, là, tu t'exposes, tu te laisses parce que je chante à la télé, parce que je danse à la télé. C'est ce qu'on voit sur les premières secondes, des bras vraiment trop maquillants, trop sexy, des bras sur le latitude, c'est incroyable, on m'a rencontré, on m'a dit, je vais déclarer, mais on ne s'est pas suivi, genre, mais ça, je voulais que je l'écris aussi. Je vais dans la manière, il va tellement s'habiller, prendre en place, c'est plus à l'aise. Bon, je ne sais pas trop, c'est dans la manière, là, parce que là, on l'a, comme ça aussi, non? Bah, ton soir, bah, c'est sexy, tu vois, un peu. Non, pas ça. Bon. Tu vois, un peu comme, oh, je peux faire aussi un clip comme ça, ça ne dérange pas, tu vois, un peu. Donc, rien qu'en dernier, tu as un caca pour nous, c'est venu, ça fait bateau, tu as l'impression de mandaku, tu vois, un peu. Parce que, bateau, tu as l'impression de mandaku, tu vois, on n'est pas dans la musique chrétienne, tu vois, un peu, ou la musique religieuse, où tu dois un peu être kanga, ma baya et tout, non, tu vois, non, la musique comme ça, les lots, les autres que relative. Mon amour n'a pas gospel, la mission n'a pas trace gospel, tu vois, en une fille là, basket, t'es bien bonne, n'est pas bon, ouais. Alors, comme si elle était un peu, tu vois, un peu. C'est comme nous aussi, c'est comme, donc, hein, pour une cause à bien, quoi. Bateau, bateau, t'as le bas, c'est bien, elle va parler. Ah, des bois, et bon, on va t'aller au bois, à rêver le roman au bois, tu vois, un peu. C'est ça qu'on aime, c'est ça, ça fait aussi succès, ça a un peu buzz, ça a un peu que bateau va attirer l'attention, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup, donc, je voulais toujours une émission sur le même domicile. Abonnez-vous, m'assurez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision pour tous les détails de cette émission. Bon, vraiment, quelles sont tes réactions à l'artiste et où il va venir en l'air passé, à celui de l'équerre, à celui de la Kissa, à savoir où il est bébé, bébé, où il est au de ses mais la génération passe pas à la chambre. Quelles réactions nous avons à l'artiste? Non, normal, on n'a pas de problème. Sauf que tout le monde en a l'été. Tu vois un peu, mais on n'a pas de problème. Sinon, sur ton mot, la ligne, tu fais ça à mon beauté. Tu vois, comme Pamela, la petite noire, ma soeur, ma copine me dit toujours qu'il faut éviter de ronquiner, quoi. Tu vois un peu. Moi, je l'aime parce qu'elle me conseille beaucoup. Donc, j'aime pas de ronquiner. J'ai pas de problème avec eux. Tatiana Cruz, elle chante bien, elle chante dégâts. Claudia Bakis, elle chante bien, elle chante dégâts. On a la petite qui est sortie là, notre petite Rebo, la petite fille de Rebo là. Non, quand je dis petite, c'est ah, oui, c'est juste sa grande soeur, mais la carrière à cause de Péria, à cause de Léki, tu vois. Donc, moi je les aime tous. Et puis, on a Kende là, Mata, là, comment, là, Kende, so, il faut la talaba, moi quoi, tu vois un peu. Net Iboué, tout ça, il y a une équipe qui a Inos, Billet, Yopé, et ça, la dégâts internet, la tu vois, pour te dire que je n'ai pas de problème avec mes artistes, comme Tatiana, si elle veut que Deborah figure dans la pipe, elle va me payer mon argent, je vais figurer dans son pipe, je vais danser. Est-ce qu'on te dit, vraiment, que tu vas pouvoir, Tatiana, présenter des souvent, faire bien le presque. Pas de problème. Nous sommes chanteuses, là, ça fait problème. Ça fait pas problème. Les autres, que nous, on fait de la bonne musique. On chante. C'est tout. Merci beaucoup, Deborah. Je voulais toujours une émission avec ce. Mais Deborah, trop carrément, je voulais
y a ma clé, il y a ma numéro. Ça fait un moment que je commence à m'envoyer un cœur pour ça. Je suis mais le tableau, on a rendu ce bien en bas de bol, on a un carton. C'est comme si aux endroits, on a dit, nous, on a un peu parce que on a parti dans le toujours des gars quand même. C'est quoi, je sais pas, sur le stade, on a un peu de mal quand vous allez. Non, en fait, tu vois, on est artiste là. On est artiste. Moi, j'ai fait la décoration de maison, tu vois un peu. Dans la salle, dans la lambaka, tu vois un peu. Dans la salle, il y a un art, tu vois un peu. Donc, voilà pourquoi on dit, quand tu es artiste, il faut être artiste complet. Tu vois un peu. Comme moi, je suis complètement habile. Moi, je danse. J'ai ma voix aussi. C'est peut-être un bon réseau, mais ma côté bobine. Je vais aller danser. Comme une osse m'a dit, viens danser, on va te payer. Je vais aller danser parce que moi, j'ai besoin de l'argent. Tu vois un peu. C'est ça mon travail. Tu vois un peu. Quand Davido me dit, viens faire un clip avec moi, viens danser. Sur le côté où Yembaba n'a rien invité. Robin, je vais danser parce que je suis en bonne santé. Tu vois un peu. Donc, c'est pas grave. L'artiste est un soupé. S'ils veulent que Deborah figure, il y a mon manager, Pamela Ngoma qui est là, la métisse noro, Pengue Kaka. Moi, je viens, je danse. Je vais nous ça dans un moment puisque qu'on a artiste mieux sur pour nous faire un clip là sur le là je suis dispo. Ouais, je suis dispo, je veux venir danser comme Kirikou. Lui, il a voulu qu'on danse, on chante. On a dansé, on a chanté. Et puis, toi, on a la belle Manco. Tu vois un peu. Et puis, ouais. Et puis, il y a. Voilà, il y a Fouma Mouela de Brazzaville. Gratos. Ton salin est déjà Bimi Koutou. Et Bimi na Braza, je te dis, c'est ça. Toi, il est Edenda. Donc, on a remixé Fouma Mouela dans le Bissou, dans le Sika. Je te dis, c'est des gars à Brazzaville, on m'appelle d'ailleurs pour venir faire le playback là-bas. Donc, Bazan, on est bon, on est bon, on est mais ils veulent voir ça, tu vois, voilà pourquoi tellement que les gens veulent voir ça et on est toujours hein? Il faut que le caraba mon amour va se la rapporter toujours dans l'actualité quoi. Donc mais est-ce que voilà, ça c'est mon souhait papa ça avec sa bêtise mais le roman voir c'est le roman que tu chantes que tu danses et c'est pas ça. Donc tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, puis là, je me sens pas bien. Tu vois, les Azabos, je suis tellement malade, je me sens pas bien. C'est vrai. Ouais, je suis malade, je me sens pas bien, mes fans, vraiment, je me sens pas bien. Oh, bah, quand on a posé ma main dans la vie. Depuis, c'est caché, t'as en fait, ça, non, c'est pas question de cacher, ça, c'est que moi, une émission où je fais voir mes fans de quoi je suis capable. C'est pas seulement ce studio-là. Tu vois un peu, pardon, les gens me disent, il y a ma doigt, Binabo, ils ont la caméra, mais t'es béni, ça. Tu vois un peu. Mais. S'ils veulent me voir danser là, bah, et du coup ils me retrouvent souvent dans mes répétitions parce que je ne fais pas de répétitions populaires. Mais en coulisses, mais j'ai quelques contacts privés au Bayak qui a quand même nous assisté. Et en plus, abonnez-vous, il faut vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Deborah Yamadou simplement. Abonnez-vous, laissez vos commentaires là-bas. Donc dès d'abord, finga kadé d'abord pour le bar bien pour Nanga. Je ne peux pas perdre tout le monde, voilà, tu vois un peu. Donc voilà. Juste encore un morceau, mais c'est Mélissa. Ça, c'est nouveau de part, c'est qu'on fait la chanson de Ado Djabir, Sa Majesté. Hein, le jeune Swap n'a pas ri, quoi, dans le cas de sa France. Mais l'ami, il va te poto, hein. Mais Kenya, tout le monde, il va te poto, il va te poto, il va te poto, Eric Mandala, le Big Boss, tu vois un peu. Ça c'est la chanson de Ado Djabir que je salue, papa na Alia, Amelia. Donc je te salue beaucoup na Adonai. Na lela yu, njabiru
une chanson d'ado. Voilà pourquoi nous sommes au niveau de part. Sonne na yembiango boy, na yembiango nde mu so bo ko tikina YouTube mo na onde mu so even eh la nga ba inspiration. Nde ka bona yembi na ngo diskreti. Po na yembi penteli, na yembi penteli yeli nga ndeli. Bon, c'est ka ka isa na inspiration, tu vois, un artiste. C'est bon, cette chanson vraiment on a tout yemba, isa un disque na ngati je sais pas et outil wa. Je te dis vrai, donc na c'est pas qu'un instrument. Bon, et keka ka, keka ka, hein, parce que c'est mon nouveau. Azape mutasika. Je travaille avec lui, alors il apprend mon répertoire, il y a Bandi Moukara, mais à Béti vraiment, vraiment, il est adoté. Mais vu que je suis un artiste, vu qu'il a continué déjà là-bas, il y avait déjà l'émission qui passait, et qui est carabombe, donc je revois, on est à l'émission. Merci beaucoup, vous êtes partout, n'hésitez pas à contacter l'artiste, vous ne serez jamais d'ici, pour la chanson, la dédicace, tout, elle est là, contactez l'artiste. Ouais, voilà, voilà. Je suis encore au studio. Je suis encore au studio. J'ai lancé déjà 3 titres. Il me reste encore 4 titres pour faire 7. Calculez les amendes d'amour. Donc, venez, je suis au studio. Venez avec vos dédicaces. On est là. Je salue Claude Artiogo. Je salue encore Pamela Mbalatis Noir. Hein? Moi, c'est chocolat frappant, quoi. Je la salue. Je salue Raman Kota, Major Kiki, Colonel, puis je vous aime beaucoup. Dans le PCB, nous tous nous voter. En tout cas, vous avez chuté, je vous ai dit qu'il y a aussi un peu de chuté. Quels sont les avantages sur le moment pour les avantages et les avantages tout ce que vous avez appris, vous avez la tirata pour le téléphone. Bah, rancune à la musique. Ça me nerve et je me dis, mais vous n'avez pas la musique à votre moment. Avantage, c'est vraiment ça. Avantage, c'est que c'est un succès pour les gens qui sont en train de se faire. Car quand tu fais ta bonne musique, quand tu as de bonnes personnes tout autour de toi, les gens qui t'encadrent bien, très très bien, comme Pamela, les gens qui te conseillent bien, en tout cas, tu vas aller très loin. C'est proche, voilà, voilà pourquoi je te dis, quand tu es bien, tu es bien formé, tu as eu l'éducation, tu vas aller de l'avant dans la musique. Voilà, musique c'est pas insulter, musique c'est pas cause à l'impôt, musique ça sert à rien. Tu vois un peu, musique ça sert à rien, par exemple, ça là, donc là, je sais que ça c'est ma musique, ça c'est mon travail. Voilà, dans ça là, sans rancune, sans insulter les gens. Dis-moi que je suis un musicien. Tu vois, il y a un succès, il y a un succès, il y a un succès. Parce que ce qu'on fait, c'est la musique, c'est le travail. Tu vois, donc, il y a des choses comme ça. Nous avons parlé de la musique, nous avons parlé de la musique. Tu vois un peu. Voilà pourquoi il y a le directeur, il y a le PDG, il y a le CD, il y a le huissier, il y a le truc, il y a le truc. Donc, on a un grade, on a un PC. Je suis occasionnant, en fait, si tu as un peu de comme Fabrigas tout à l'heure dans la Zomaki Nandak, ou je sais pas si ça fait scandale sur YouTube parce que la Zomaki. Ouais, voilà, je suis rentrée à la maison parce que j'ai quitté la maison brusquement sans rien dire et il y a eu beaucoup de polémiques. Et puis nous, journalistes, nous avons créé là, puis je fais ma polémique avec ce que je fais. Voilà, j'ai nommé Binopé, j'ai un souci ou quoi. Donc, créer de problèmes et quand il y a le problème, nous on va pour s'excuser. Si je me suis excusée, je dis pardon à Fabrigas, ce qui n'a débordé qui est un peu dans ma loupe. Ou soit j'ai été impolie, quelque part j'ai dit pardon parce que c'est la personne qui m'a pris là et puis il m'a emmené là. Je ne peux pas quand même lui manquer de respect. J'ai dit pardon encore une fois. Donc voilà. Votre mot de la fin, un programme d'ailleurs, dans sa peine, tout votre part, tout à l'heure, dans sa peine, pour prendre une dédicace, non seulement pratiquement à la fin de cette émission. Ouais, voilà, je demande à tous les fans de Deborah Banana et à Madame précisément, Bozala, comment je peux dire, Bozala un peu patient, tu vois, un peu, les actes compétition, tu vois, un peu. Moi je fais ma musique comme ça, je sais comment j'avance, je sais comment je fais mes choses. Pour me contacter personnellement, je suis sur ma page. Instagram c'est Deborah Yamado officiel. Ma page Facebook, je suis sur Deborah Yamado officiel ou Deborah Yamado Banana, je suis là. C'est moi-même qui est sur mes pages officielles. Donc tous ces gens-là qui veulent mon numéro, venez sur Messenger. Je vais vous donner mon numéro parce que là quand je donne, c'est du dérangement. Voilà. Et je suis sur ma page YouTube. Venez cliquer, voyez le vidéo, abonnez-vous. C'est Deborah Yamado toujours. Abonnez-vous et puis je répète chaque mardi et chaque vendredi
C'est un endroit coulisse. Mais à très bientôt, je passerai à la télé pour donner les infos sur ça aussi. En même temps, je suis en studio. Je vous appelle, venez. J'ai envie de finaliser mon album, donc pour le dédicace. La fourrure de la arche. Tu vois, un peu, on ne sait pas, la fourrure de l'arche veut entrer. Ça va plus vraiment abordable pour permettre à tous les jeunes, les amoureux de la bonne musique, au Balina Musique, au Kota, aux Anakati. Voilà, donc je vous invite. Merci à vous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement sur la France Télévision pour tout détail de cette émission. Le gel est un peu de et moi, je suis dans un studio, je suis dans tout ça, vraiment un peu à mon côté. L'artiste est là. Parce qu'on a mes chansons. Jackson Mouya des États-Unis, précisément en Tati, en Californie. N'hésitez pas, mon frère, contactez l'artiste. On va détailler, on va dédicacer, on va vous en avez jamais déçu. On l'a fait aussi, on va dédicacer. Je dis un grand merci à Jonathan Moutambala, qui est mon producteur. Un grand merci à Ramad Bouda. Un grand merci à tous les fans de Bolivar, Deborah et Amado. Continuez de savourer de la bonne musique que je vous donne avec ma très belle voix. Comme on dit, je chante comme voilà, donc je vous dis un grand merci. C'est bonjour ou bonsoir? Bonjour, bonsoir les parents. Bonsoir, comme on dit, bonsoir Paris, bonsoir Bruxelles, bonsoir. Bon, quand vous avez mon bébé, quoi. Bonsoir, je vous aime. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à Adolphe, le maître supérieur, El Sabio Jordan, nous prenons dans notre commentaire. Merci aussi à toi, Alain Leleu, le suprême, pour la confiance. Je tiens encore merci à toi. Luzon Ilan, à début Bordeaux, mon frère. Merci pour avoir suivi ce sujet avec toi. En père, Joël, ma qui était plus loin, bientôt de retour à Kinshasa. Chanel caramélisé, de Kupas, Hélène Yakon, on a photo, sans oublier mes amis, des dégâts, on a photo, Capote, je vous montage, je vous ça va toi, samedi. Encore vous allez lire, tout ce que nous apporte, Chanel et la sublime, Patricia Chung, l'étoile filante, Christelle Beau, la femme d'affaires de Paris, Mauvier, en père, Chico, nous avons depuis quelques temps du film. Ensemble avec toi, en ce moment, sur ce là qui est tout là, ma conduite normale. Abonnez-vous massivement sur le bête de notre télévision pour tous les détails de cette émission. Au revoir, bye, à la prochaine. Bye.